Sports. It's in the game. C'est donc le moment de commencer cette nouvelle édition de Ligue des Champions. Bonsoir à tous et à tous, est-ce que vous la sentez l'ambiance? C'est l'ambiance des grands soirs ici au Santiago Bernabéu. On a hâte que ça commence. Au micro, c'est le meilleur duo, oui, depuis Xavi et Iniesta, Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League, le Real Madrid. Le gardien relâche dans la zone dangereuse. Perte de balle dans une zone hyper dangereuse, attention! Et le ballon passe loin du cadre sur cette frappe lourde. À cette distance, il y avait beaucoup mieux à faire. Ouais, bien fait, bon pressing pour récupérer haut le ballon. Oh mais quelle parade! Allez, bien frappé ce corner. C'est dégagé ce ballon. Première journée et premier match donc dans cette Ligue des Champions. Un mot avec vous sur ce groupe. Quand on regarde dans le détail, le Real Madrid semble bien au-dessus dans ce groupe. C'est le favori naturel, comme souvent. Le corner à suivre. C'est bien parti pour ce corner. Ballon loin devant, la défense écarte le danger. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. C'est un ballon de contre à jouer. Face à face avec le gardien. Le danger est toujours présent. Goal, 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 goal! Et ça y est, ce match est débloqué. Et ça promet pour la suite. La précision technique, c'est la finesse du footballeur. La finition du sort, c'est un hommage à la technique. L'engagement donné par Porto, il faut réagir après ce but concédé. Eh bien, le récupérer sur cette bonne intervention. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. C'est bien parti.
et but, c'est au fond, un nouveau but qui terrasse l'adversaire, domination totale, quel beau match. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin de course de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier geste. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Oh, le ballon intéressant. Ah, il pique son ballon. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. La balle a dessiné une hyperbole au-dessus de sa tête. C'est de l'art et de la géométrie en même temps. C'est très frustrant le métier de coach dans ce genre de match. Qu'est-ce que vous voulez dire après une prestation pareille? Ah, malheureusement, la possession est perdue. Et une passe lobée pour créer le danger. Et la bonne prise de balle dans une zone dangereuse maintenant. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Et oui, regardez le ballon qui passe par-dessus l'adversaire direct. C'est bien vu. Et pour conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de l'instructeur kamikaze. Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. Ah, la mauvaise passe directe sur l'adversaire. Attention, voilà un bon duel. Quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Jolie cette passe. Dans le dos de la défense, ça pouvait être dangereux. Le hors-jeu est signalé. Et ça y est, l'arbitre siffle la mi-temps à l'instant au Santiago Bernabéu. Et le ballon passe loin du cadre sur cette frappe lourde. À cette distance, il y avait beaucoup mieux à faire. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Oh, mais quelle parade! Le corner à suivre. Goal, 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 goal! Et ça y est, ce match est débloqué. Et ça promet pour la suite. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Et but! C'est au fond! Un nouveau but qui terrasse l'adversaire. Domination totale. Quel beau match. Oh, le ballon intéressant. Ah, il pique son ballon. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick.
un match compliqué pour le FC Porto. Le coup d'envoi du deuxième acte. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Alors, des très grosses attentes et pas mal de discussions dans l'avant-match à son sujet. Ce match face à son ancien club, c'est forcément une sensation un peu étrange. Surtout qu'on ne parle pas à n'importe qui. C'est un nom qui restera longtemps gravé dans l'histoire de son ancien club. Il va falloir... Oh là là, la mauvaise intervention. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Et c'est finalement le gardien qui s'empare du ballon. Oh là là, la faute sur cette attaque. Qu'est-ce que veut dire l'arbitre maintenant? Et c'est intercepté, la perte de balle du Real Madrid. Et pourquoi pas une contre-attaque là? Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Et le pressing sur le porteur. Et vous le voyez au programme de nos prochaines réjouissances à venir, c'est ce match qu'on vous commentera. Le Real Madrid affle Betis. Effectivement. Et attention, parce que là, l'arbitre intervient et il peut y avoir une exclusion. Et le gardien était bien vigilant. Et encore un arrêt du gardien. Et ballon dans le couloir avec un peu d'espace. Et il y a un peu d'espace dans l'axe. Oh, la bonne parade. Et le Real Madrid qui va faire un changement. Alexander Arnold, c'est parti. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Bellingham. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Oh, attention à ce ballon. Le réflexe sur ce ballon. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Oh, et le face-à-face qui a tourné à son avantage. Yes. Tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour de jouer. C'est tiré par Alexander Arnold. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Ah, retour d'une position de hors-jeu, le drapeau s'est levé. Un conseil, la prochaine fois, il vaut mieux laisser passer le ballon. Ouais, une bonne charge. Ballon bien renvoyé. Ouais, balle au pied, c'est une bonne progression ça. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Le temps additionnel, 2 minutes minimum, encore à jouer. Et le staff décide donc de faire un changement. Valverde, c'est terminé pour ce premier match de poule, donc de cette campagne européenne, et ça commence plutôt très bien avec cette victoire. Il faut mettre en avant l'excellence. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Oh, mais quelle parade!